Paris. Nous sommes samedi matin. Il est un peu plus de 5 heures. Les bars de nuit sont en train de fermer. Et pour rentrer chez eux, beaucoup de fêtards profitent du métro qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Au quartier général de la police des transports, Mallory et Thomas sont aux aguets, les yeux rivés sur les écrans de leurs caméras de surveillance. À mon avis, il est complètement endormi. Hein. Les lendemains de fête, leur crainte, ce sont les délinquants qui profitent des fêtards ivres et endormis dans le métro pour les détrousser. Comme ces hommes, sur ces images vidéo enregistrées par Mallory quelques jours plus tôt. On les appelle les détrousseurs de l'aube. Pour les repérer, les policiers ont à leur disposition un impressionnant maillage de caméras. 13 000 au total, que Mallory manipule grâce à ce joystick. Par habitude, on regarde à peu près souvent les mêmes lignes. On fait tous les quais. Que souvent, les voleurs, ils se mettent à côté. Ils vérifient qu'il n'y a personne aux alentours. Ils se mettent assis à côté de lui. Enfin, ils voient si le mec se réveille ou pas. En quelques clics, la policière peut voir en temps réel ce qui se passe dans l'ensemble du réseau souterrain. Ah, c'est quoi ça? Ouais, vas-y. Et justement, à la station Grand Boulevard, à 2 km de la place de la République, au cœur de Paris, un octambulé méché, avachi sur un siège, inquiète Mallory. Tout près de lui, cet homme qui se rapproche l'observe avec insistance. Peut-être l'un de ses voleurs. Ouais, donc le mec, en fait, il a une capuche et il est tout en sombre. Hein. Ah, je crois qu'il a levé la tête, le dormeur. À cette distance, difficile de voir avec précision si l'homme est bien en train de passer à l'acte. Dans le doute, Mallory prévient une unité de police sur le terrain. Oui. Il y a un dormeur à Grand Boulevard, la ligne 9, direction Pont de Sèvres. Donc on surveille, à voir. Il y a quelqu'un qui s'est assis à côté, mais 2-3 sièges plus loin. Donc avant d'envoyer, après, si vous pouvez jamais vous rapprocher. À l'autre bout de Paris, une équipe se tient prête à intervenir, à la moindre alerte. 3 policiers en uniforme et un en civil. Habillé en sombre avec une capuche tout en noir, en tête de quai. À leur tête, le capitaine Nathalie, 36 ans. On attend. Les policiers veulent prendre le suspect en flagrant délit. Alors pas question de faire irruption sur le quai tant qu'il n'est pas passé à l'acte. L'oreille collée au téléphone, Nathalie attend le feu vert de sa collègue Mallory. Ce sont ses yeux. Le problème, c'est que si on intervient et que la personne n'a rien fait, il n'y aura pas de suite judiciaire. Il se lève, il change de côté. Pour le moment, rien n'indique qu'il s'agisse d'un voleur. Il a pris quelque chose, là? Il a quoi dans la main? Je sais pas, mais non, il fume une clope. Ah, il fume une clope. Ouais. Ok, il fume une cigarette. Dans le doute, Nathalie décide d'envoyer son collègue en civil en reconnaissance. Vous y allez, Gino, pour regarder? Mec en sombre, il est parti, il s'est posé. Mais le policier ne va pas avoir le temps d'atteindre le quai. En une fraction de seconde, la situation bascule. Ah oui, il est en train de le travailler. Ah oui, là, il le travaille. Ah, il se penche dessus, ça se penche. Il se penche dessus, il lui fait les poches, là. Bon, on va le taper maintenant. On y va, on contrôle. Il faut faire vite, car le suspect peut à tout moment prendre la fuite en métro. Il prend la rame, il faut qu'il tape le contrôle. Ouais. Allez-y, parce que le mec il va monter dans la rame. Oui, donc Gino il va le voir. Gino il arrive, il va le voir. Voilà. Il est témoin une. L'individu est maîtrisé, mais problème, il affirme ne rien avoir à se reprocher. Mis à part sa cigarette allumée, ce qui est interdit dans le métro. Bonjour monsieur, c'est la police. On éteint la cigarette monsieur, on va faire un contrôle. Levez-vous monsieur, on va faire un contrôle. À côté de lui, le fêtard commence à reprendre ses esprits et il ne trouve plus son smartphone. Il était allumé ou pas? Allumé avec une sonnerie? Vous écoutez si ça sonne? Nathalie compose son numéro. Ça sonne. Il est survivre. Les policiers ne s'étaient pas trompés. Le suspect a bien dérobé le téléphone. Quoi? Dans la poche? Ok. On l'a retrouvé, il l'avait mis dans son sac apparent.
Là, il est tôt, donc je pense que c'était sa première victime, et on a des personnes qui font ça toute la matinée. Voilà. Qui volent plusieurs fois, donc des fois, c'est arrivé qu'on trouve 3-4 téléphones. Pour la sécurité de... Cette fois, le fêtard a eu beaucoup de chance. Son smartphone vaut plus de 500 euros. Sans l'intervention de Nathalie et de ses hommes, il se serait fait plumer. Les policiers vont également découvrir que l'homme était prêt à tout pour parvenir à ses fins. Sur lui, Nathalie va retrouver des armes de catégorie D qu'il est interdit de transporter. Bon, le monsieur avait ça dans son sac. Deux couteaux. Des fois, ils s'en servent pour couper les poches des victimes aussi. Donc, quand ils n'arrivent pas à sortir les objets, ils découpent les poches avec un couteau ou une lame de cutter. C'est plus facile. Ou pour menacer la victime si elle n'est pas assez à se réveiller et qu'elle se montre agressive. Pour le port de ses couteaux et le vol du téléphone portable, l'homme risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Chaque année, dans les transports en commun parisiens, plus d'une centaine de fêtards sont victimes de ces voleurs un peu particuliers. Je sais pas ce qui se passe. Ça descend. Il est 8 heures. Le métro commence à être bondé. Derrière leurs écrans, Mallory et Thomas restent sur leur garde, car de nombreux autres dangers guettent les usagers. Avec ses 220 km de voies et plus de 300 stations, le métro parisien est l'un des plus grands réseaux souterrains du monde. 5 millions de personnes entrent dans ces rames chaque jour. Pour les Parisiens, c'est un moyen efficace pour se déplacer dans la capitale. Mais le métro attise aussi la convoitise des délinquants en tout genre. Agressions, vols à l'arraché, bagarres et règlements de compte, chaque année, plus de 50 000 délits y sont répertoriés par les forces de l'ordre. C'est environ 150 par jour. Ils sont partis par où ? Pour contrer les délinquants et assurer la sécurité des usagers, 1300 policiers de la préfecture de police de Paris arpentent ces galeries jour et nuit. Contrôle d'identité, filature, surveillance et arrestation. Pendant 4 mois, nous avons suivi leur quotidien souvent mouvementé. S'il vous plaît, vous pouvez l'accueil, s'il vous plaît. Au quartier général de la police des transports, Mallory va avoir du fil à retordre avec des pickpockets. Chaque jour, des bandes organisées descendent dans ces couloirs pour faire les poches des usagers. Lui, il est là, il travaille, il est sa bosse. Philippe est brigadier chef à la compagnie. C'est la plus grosse unité de police des transports en commun parisiens. Du simple conseil aux touristes égarés, aux alertes attentats, le policier effectue en moyenne plus de 10 km par jour, souvent au pas de course. Oh ! Hey ! Fais demi-tour ! C'est incroyable ça, attends. Avec sa casquette sur la tête, Ellie travaille en civil pour traquer incognito les dealers de crack du métro. C'est devenu un fléau. Dans certaines stations, les toxicomanes ne se cachent même plus pour fumer leur drogue. Mais le policier doit s'armer de patience pour attraper les dealers et les faire avouer. Alors, tu as avalé un peu de crack ou pas ? Non, je n'ai rien là. Ah, d'accord. Mais tu en vends ? Non. Ah, très bien. D'accord. Qui sont ces délinquants qui opèrent dans le métro ? Quelles sont leurs tactiques ? Et comment les policiers font-ils pour les arrêter ? Enquête sur la face cachée des transports en commun parisiens. Au quartier général de la police des transports, Mallory et Thomas continuent leur surveillance. Les deux policiers observent avec attention un groupe de pickpockets qu'ils connaissent bien. Ouais. Hey, c'est ceux d'hier ? Ouais, c'est ceux d'hier. C'est le groupe d'hier ? Avec le tout petit ? Ah, ça bouge, hein. Ils viennent lui faire signe, ça bouge là-bas. Ils viennent faire signe 3, ça ouais, bouge. Ouais, ils sont là, ils sont là. Alors, ça travaille, c'est en train de travailler là. Ça bosse un vieux cheveux gris, manteau noir, dans le méca. Hop, ça abandonne. 7 jeunes hommes bien connus des services de police. Ils appartiennent à la communauté rom. Plusieurs d'entre eux sont mineurs, mais ils sont très rusés. La veille, Mallory et ses équipes ont tenté de les arrêter en flagrant délit, mais les jeunes ont réussi à s'échapper.
Hier, ils ont bloqué l'escalier mécanique. Et pendant que l'escalier mécanique était bloqué, ils aident à porter les valises. Il y en a un qui fait semblant d'aider la personne à porter les valises. Et l'autre, en attendant, mais il a fait les poches. Il y en a un qui a détourné l'attention en disant « Madame, je vous aide ». Et après, l'autre, il lui a fait les poches. Cette fois, les policiers espèrent bien les coincer. Mallory veut les prendre la main dans le sac. Mais elle va avoir une surprise. Les jeunes sont très malins. Ils savent que les policiers les observent avec leurs caméras. Et ils ont trouvé une parade. Et hop, ils ont bougé, ils bougent la caméra. Le mec, il croit qu'on le voit pas, tu sais. C'est tout le temps le même qui le fait chaud. Dans le métro, la plupart des caméras sont mobiles. L'un des jeunes est chargé de les faire pivoter vers le plafond pour les rendre inopérantes. Quand elles sont fixes, il a également une technique. Obstruer l'objectif avec un bout de papier. Souvent, c'est soit avec la salive, ou soit des fois, bon, il prend un chewing-gum pour coller le papier. Grâce à cette astuce, les sept jeunes se sont volatilisés. Mais heureusement, le métro est équipé de plusieurs milliers de caméras. Alors, même en étant très organisé, impossible de toutes les neutraliser. Et Mallory ne va pas tarder à retrouver leurs traces. S'ils reviennent sur le quai, c'est là. Et si ça part là, 219, c'est là. En fait, ça... Retrouvé. Ils sont assis ouais, là, même en si fait. Là, ça donne sur un... Vous voyez les pieds juste là. C'est tous ceux qui sont assis là. Et ils regardent tous les gens qui sortent du métro. Et s'il y en a un qui se lève, et ils suivent derrière. Avant qu'ils ne disparaissent à nouveau, Thomas prévient ses collègues sur le terrain. Ils sont... Ouais, ils sont 6 ou 7. Ouais, les Romains. Non, les Romains. Avec ses hommes, le capitaine Nathalie est à moins d'un kilomètre du musée d'Orsay. C'est à cette station que se trouvent les sept jeunes. Elle aussi les connaît bien. En fait, ils n'ont rien à faire de leur journée, donc c'est leur seule occupation. Ils traînent dans le métro et puis à l'occasion, ils essaient de voler quelque chose. Et ils font ça toute la journée. Nathalie décide de se positionner à l'entrée du métro. Dans la station, les jeunes Roms ne sont pas passés inaperçus. Ils savent qu'il y a beaucoup de passages de touristes. Donc là, je pense qu'ils ont décidé d'essayer de voler des touristes qui ont souvent beaucoup d'argent sur eux. Ouais. Les sept jeunes ont chacun des tactiques bien rodées pour exécuter leurs méfaits en toute discrétion. L'un d'entre eux porte une écharpe très longue qui lui permet de dissimuler ses mains et ses gestes lorsqu'il fouille le sac d'un usager. Ils arrivent là, ils sont là. C'est quoi ça? Regarde, il y va. Il y va, il est derrière la gonzesse, regarde. Ah oui, mais ça, c'est quoi? C'est un des mecs du tas. Hop, il fait demi-tour. Là, il revient, il repart. Mallory observe attentivement ses moindres mouvements. Et son instinct de policière va payer. Non, ça continue. Oui, ça grille. Vu comment il a ouvert le sac. Il est là. Ah oui, je pense que c'est pris. Hein. On va regarder si le mec, il a le... Attends, vas-y, je suis la victime là-haut. Ah, faut aller péter le contrôle là. Là, ouais, au moins aller voir la victime parce que le sac, il est tout complètement ouvert. Sur le terrain, Nathalie et ses hommes se lancent aussitôt à la poursuite du jeune pickpocket à l'écharpe. Ils sont où? Ouais, on y va, mais ils sont où? Dans les couloirs du métro, c'est la course. Les policiers attrapent tout d'abord trois suspects, dont un avec une écharpe. Ouais, c'est bon. Mets tes mains. Et ces deux jeunes filles qui semblent être leurs complices. Mais dans la précipitation, ils ont commis une erreur. Ils se sont trompés de cible. Le jeune homme à l'écharpe qu'ils ont interpellé n'est pas le pickpocket que Mallory piste depuis plus d'une demi-heure. Derrière ses écrans, la policière est dans tous ses états. Ils sont là, il y a les deux là. Dino, il n'a pas pris les bons, hein, celui avec les casquettes. Oui, il a pris. Et Gann, il est encore là. Il est encore là, c'est pas pris. Pas le bon. Ouais, elle est trois. Hein. Une mauvaise appréciation qui risque de réduire les efforts des policiers à néant. Nathalie et ses hommes se lancent aussitôt à la poursuite du bon jeune homme à l'écharpe. Alors que la policière est sur le point de l'attraper, il prend la fuite. Putain, sa cavale, il est là. Dans la station de métro, c'est un peu la pagaille. Ça repasse vers la salle d'échange. Et dans ce labyrinthe, pas facile de s'y retrouver. Vous avez vu?
chaud. Il se dirige vers la sortie. 5, 6, 7. Ils sont partis par où? Dix minutes de course folle, en vain. Nathalie et ses hommes jettent l'éponge. Ils se sont fait berner. Le jeune pickpocket à l'écharpe a réussi à s'enfuir et ses six complices n'ont pas d'objets volés sur eux. Et dans sa sacoche, là, c'est vide de chez vide. Ça éclate en fait en plusieurs groupes. Et ensuite, faut faire un choix. Donc on fait après sur l'instant, sur le moment en fait. Hein. Ça décide sur l'instant T. Hein. Sorti là-bas. Les jeunes repartent libres, mais la poursuite aura au moins permis d'éviter le vol. Même si les policiers sont un peu déçus. C'est comme ça, c'est parti du travail. Hein. Après, la victime, a priori, s'est rien fait voler. Donc, on est intervenu, on va dire, avant, à temps. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage de les laisser repartir parce que je pense qu'on les retrouvera plus tard. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Chaque année, plus de 20 000 vols sont recensés dans les transports franciliens. Très souvent avec violence. Dans la majorité des cas, les objets dérobés sont des téléphones portables. Et pour arrêter ces voleurs sans scrupules, les policiers doivent multiplier les astuces et les ruses. Ce matin, avec ses hommes, le brigadier chef Philippe patrouille dans les quartiers nord de la capitale. Le policier vient tout juste de commencer son service et il y a déjà un problème. Sur les quais, devant lui, un attroupement anormal au bord de la voie. Attends, il y a un truc là, je sais pas quoi. Attends. Eh, vous approchez pas là, reculez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le portable est tombé. Ok, on va faire le nécessaire. Hein? Le smartphone est coincé entre les rails et sa propriétaire est un peu paniquée. Dans son téléphone, ses contacts et toutes ses photos. Elle veut à tout prix les récupérer. Alors avant que quelqu'un ne descende sur les voies pour lui venir en aide, au risque d'être percuté par une rame de métro, le policier décide de prendre les choses en main. Mais si ça arrive à nouveau, allez surtout pas descendre pour récupérer le téléphone. Si on peut trouver des solutions aux problèmes des usagers, on le fait. Bon, ça arrive régulièrement. Donc. Par contre, évidemment, on ne va pas descendre sur les voies et aller chercher le téléphone. Les rails sont électrifiés, alors Philippe a demandé l'aide d'un agent de la RATP, l'entreprise publique qui gère le métro parisien. Ouais, là, il faut y aller à tâtons, là, il faut le faire pivoter. C'est comme Docteur Maboul. Avec une perche télescopique, l'affaire est vite réglée. Voilà. Super, merci. Il n'est pas cassé. Merci d'avoir attendu avec moi. Merci d'avoir été venu. De rien, bonne journée, au revoir. Même si ce genre d'incident est de plus en plus fréquent, pour le brigadier chef, c'est une broutille. Philippe travaille dans ses sous-sols loin de la lumière du jour depuis près de 20 ans. Et les affaires qu'il traite sont généralement plus musclées. C'est d'ailleurs pour l'adrénaline qu'il a choisi d'exercer dans le métro. C'est clair qu'on est à la lumière artificielle, on n'est pas au soleil, mais bon, ça va, on fait avec. Hein. Je pense qu'il y a pire dans la vie, hein, donc ça va, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le policier ne va pas avoir le temps de dire ouf. C'est au bout là-bas. Quelques minutes plus tard, une autre scène attire son attention. Un groupe d'individus au comportement suspect. Reste là. Philippe décide de les contrôler. Et le policier va faire une découverte surprenante. Quoi ça? T'as acheté ça où? Oh, voilà, le ticket de caisse, il est où? Il n'y a pas d'aiguille. Toi, t'as tapé des trucs partout. Allez, arrête ton cinéma. Je suis pas allé avec ça. Bon, ça vient d'où, ça? Ça commence à me saouler. J'achète, moi, pour revendre. Alors, sors-moi un ticket de caisse. Non, c'est pas... C'est les nations mangées. Ah, arrête ton cinéma, là. Des vêtements et des colliers de marque. Un sac à 95 euros avec l'étiquette encore attachée. Tiens. Oh, mais ils s'en mêlent pas. Et plus inattendu... Eh? Hein? Quand même. Un grand cru à 120 euros la bouteille. Au total, plus de 600 euros de marchandises. Aucun doute pour le policier, il s'agit d'une affaire de vol. Ça, c'est du vol étal.
Et puis comme ça, il revend les trucs un peu moins cher et puis il s'achète sa dose. Philippe n'est pas encore au bout de ses surprises. Dans les poches de l'un des hommes, un chéquier qui ne semble pas lui appartenir. Vous me dites que c'est une... votre femme et après vous me dites que c'est une dame. C'est une meuf que j'ai connue en soirée. Vous l'avez connue en soirée, vous avez laissé son chéquier. Moi je l'ai trouvé cette meuf-là à assembler de chèques. Il n'y a même pas un chèque de vous avez trouvé son chéquier à cette fin quoi. Non, il était sur le banc. Vous l'avez pris. Calmez-vous là. La meuf elle était complètement dans le coma. Ouais. Voilà. Ah, elle a volé. Bah, elle vous l'a pas donné puisqu'elle était dans le coma. Non, elle était sur le banc. Oui. Sur le banc, elle était en train de dormir. Oui. Vous l'avez pas révélé pour prendre son chèque, par exemple. Non, moi c'est moi qui ai pris ses affaires. Voilà. Et vous êtes parti avec ses affaires. Non, avec ça. Oui, juste avec ça. Oui. L'homme est certainement un détrousseur de l'aube. Au téléphone avec ses services, Philippe vérifie si le chéquier a été déclaré volé. Ok, ça marche. Ok, ça roule. Bon, bah écoute, on procède à l'interpellation de l'individu. Je passe ça sur les ondes. Ok, ça roule. Ciao. Son intuition était bonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, c'est étonnant, monsieur, parce que le chéquier ressort signalé volé. Mais j'ai pas volé, j'ai rien volé. Bah faudra vous expliquer. Mais j'ai rien volé. Direction le poste de police. Pour ces délits, les suspects encourent 3 ans de prison. Une affaire classique pour Philippe. Ces hommes, le policier les croise souvent. Ce sont des toxicomanes. Ils volent pour se payer leur drogue et passent la majeure partie de leur temps dans le métro. Tiens, regarde. Je vais voir l'autre dégueulasse. Là. Une présence qui exaspère les usagers. C'est quoi ça, là? Prends tes affaires et tu t'en vas. C'est un problème qui est difficile à traiter. Surtout que quand ils sont interpellés en possession de produits stupéfiants et qu'ils passent en jugement, ils sont condamnés à des obligations de traitement. Et puis bah, c'est un peu comme les alcooliques, hein. Il y a des mecs qui replongent et puis ils reviennent. Et ainsi de suite. Dans certaines stations du métro parisien, c'est devenu un spectacle sordide et presque quotidien pour les usagers. Difficile de ne pas les remarquer quand ils fument leur pipe. Les toxicomanes seraient plusieurs centaines. Leur drogue, du crack, un puissant dérivé de la cocaïne, censé provoquer quelques minutes d'extase, avant une longue descente aux enfers. Totalement dépendants, la plupart des consommateurs sont SDF. C'est le cas de Jonathan, 30 ans. À peine réveillé, son obsession, fumer sa dose. Une fois que tu commences à fumer, bah, tu recherches toujours à fumer après, quoi. Parce que c'est de la merde, tout simplement. De la merde. C'est simple. Au jour d'aujourd'hui, ça m'a coupé déjà, moi, de presque tout. Il y a encore 5 ans, le jeune homme était charcutier-traiteur en banlieue parisienne. Problèmes familiaux, accidents de la vie. Jonathan se retrouve à la rue. Et il tombe accro au crack. Aujourd'hui, les seuls biens qui lui restent sont quelques effets personnels qui tiennent dans son sac à dos. Voilà. J'ai un duvet, c'est super essentiel. Ça te permet de dormir. Là, c'est ma nourriture. Un livre de jeu que je viens de trouver, justement, j'en ai un. Et un critérium que j'ai acheté. Voilà. Pour se payer sa drogue quotidienne, Jonathan est obligé de faire la manche. Salut, au revoir. C'est mon jour. Excusez-moi, je vous ai dérangé dans la lecture. Salut. Et dès qu'il a amassé une quinzaine d'euros, le prix d'une dose, il part à la rencontre des dealers. Pour les trouver, pas besoin d'aller très loin, les trafiquants vendent directement dans le métro. Sa dose en poche, Jonathan s'isole pour la consommer dans une station moins fréquentée. Inlassablement, il répète le même scénario tous les jours. Pour endiguer ce trafic,
les policiers mènent une guerre sans merci aux dealers. Gare Saint-Lazare, sur les quais, ce jeune homme bien baraqué qui sifflote s'appelle Élie. Il fait partie de la BLAST, la brigade anticriminalité du métro. Depuis quelques mois, cette unité a pour mission principale d'arrêter les dealers qui traînent dans les couloirs. Pour pouvoir continuer à travailler incognito, Élie préfère témoigner à visage masqué. Chaque jour, il arpente les galeries du métro en civil pour surprendre les trafiquants en flagrant délit et pour les repérer, il a l'œil. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 là, 14 sur le côté là. Les petits emballages que tu vas trouver là, ben en fait c'est le conditionnement caractéristique du crack. Les mecs ils mettent le caillou à l'intérieur, il replie sur lui-même comme une petite bonbonne. Et donc dès que tu envoies du plastique comme ça, un petit peu éclaté, comme ça peut être le cas partout, ben c'est signe que tu as un toxico qui est venu consommer ce qu'il vient d'acheter quoi. Ben, ça nous permet de savoir que le lieu dans lequel on est, c'est un lieu qui est fréquenté par des toxicomanes pour consommer la matière stupéfiante et que c'est potentiellement un lieu de deal. Parce que les gens ils sont dans une addiction qui est telle que très souvent ils vont pas aller très loin pour consommer ce qu'ils viennent d'acheter. Élie est parisien d'origine. En quelques années, il a vu le trafic se propager. Certaines stations sont aujourd'hui de véritables supermarchés du crack. Donc sur la ligne 4, les deux principaux points rouges historiques, okay, c'était Marcade des Poissonniers et Château Rouge en matière de trafic de crack. Là maintenant, ils se sont étalés et nous, on a bossé jusqu'à arriver au-delà des Halles. Deux lignes sont particulièrement impactées. La 12 en vert et la 4 en rose. Elles traversent toutes les deux Paris, du nord au sud. Et aujourd'hui, même les quartiers chics de la capitale sont touchés par le phénomène. Mais cet après-midi, avec ses collègues, Élie a repéré un vendeur du côté de Strasbourg-Saint-Denis, dans le centre de Paris. La filature dure depuis une heure déjà. En doudoune noire, Élie ne lâche pas son suspect du regard. Il attend le flagrant délit. Et la transaction ne va pas tarder. C'est en train de se faire. C'est bon. Tu vas voir, il est en station, il va sortir, il est là. La course-poursuite s'engage au milieu des usagers. Et les policiers sont obligés de se séparer. Élie court après le dealer, tandis que ses collègues s'occupent des acheteurs. Ce sont ces deux hommes au sol. Dans leur poche, l'objet du délit. Un demi-gramme de crack. On les a vus, ils sont mis juste là en fait. À la sortie du métro, Élie a lui aussi réussi à attraper le dealer. Il tentait de s'enfuir. C'est bon, c'est positif. T'as rien de dangereux sur toi ? Mais le policier va avoir une petite déception. Dans ses poches, pas de marchandises. L'homme a peut-être réussi à s'en débarrasser. Alors avant de l'emmener au poste, Élie décide de l'interroger. Sa crainte, qu'il ait avalé le crack pour le faire disparaître. Une technique dangereuse, couramment utilisée par les dealers pour éviter de se faire prendre. Ils transportent la drogue enveloppée dans un film plastique, dans leur bouche, et en cas de problème, ils l'ingèrent. Moi, ce que je pense, c'est que tu as avalé le crack. Et c'est juste que je vais être sûr que tu ne fasses pas un petit malaise. Comment ? C'est pour toi, moi je m'en fiche. Hein. Non, mais c'est pas... Si tu as envie, si tu as envie de faire un malaise dans le cadre de garde en vue, c'est toi sur tes déclarations. Hein. Alors ? Oui. Alors, tu as avalé un peu de crack ou pas ? Non, rien, rien, rien. Ah, d'accord. Mais tu en vends ? Non. Ah, très bien. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie ? Quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Moi, je vends des sacs. Tu vends des ? Des sacs et des tours Eiffel. Des sacs et des tours Eiffel. C'est parfait. Pour le moment, l'homme nie tout en bloc. Au commissariat, les policiers vont tout de même retrouver sur lui plus de 200 euros en petite monnaie et en tickets restaurant. Un butin caractéristique du commerce du crack. La plupart des gens qui sont consommateurs de crack dans les transports en commun sont SDF. Leur première source de revenus, ça va être de faire la manche.
Donc forcément, lorsqu'ils font la manche, ils vont récupérer des pièces de monnaie, de la petite monnaie, et ils vont l'accumuler jusqu'à obtenir l'argent nécessaire pour acheter ce dont ils ont besoin, en l'espèce à un caillou de crack. En général, le caillou s'est vendu autour de 15 euros. C'est rarement plus que ça. C'est aussi la raison pour laquelle vous allez aussi retrouver parfois des tickets resto, parce que vous avez certaines personnes qui vont donner un ticket resto pour leur permettre de s'acheter un repas. Et ces tickets restaurants-là, ils vont s'en servir aussi pour s'acheter le caillou. Pour trafic de produits stupéfiants, l'individu risque jusqu'à 10 ans de prison. Le consommateur, lui, sera relâché le lendemain avec une obligation, suivre un traitement, une mesure prévue par la loi française pour éviter l'emprisonnement. En moyenne, les policiers de la BAC du métro arrêtent une quinzaine de dealers par mois. On n'est pas encore rentré. Mais la lutte contre ces trafiquants est une guerre de longue haleine. Élie et ses collègues ont d'ailleurs déjà repéré un autre gros dealer qui sévit quelques stations plus loin. Écoute-moi bien. Il y a un mec qui sort de la station, il a les cheveux longs, d'accord, il a des sacs à dos, on dirait un rocker, il a une trentaine d'années. Le trottoir de gauche, direction est. Les policiers ont trouvé une cache insolite pour observer le dealer en toute discrétion. C'est une nouvelle affaire qui démarre. Des heures de planque pour le prendre la main dans le sac. Au quartier général de la police des réseaux ferrés, à la gare de Lyon, les hommes de l'unité d'appui des réseaux se préparent à partir en mission. Cette brigade est spécialisée dans la lutte contre les délits crapuleux. Et c'est principalement au nord de Paris qu'elle intervient. À Saint-Denis notamment, une zone particulièrement touchée par les vols. Réellement, la partie la plus impactée débute de la gare de Saint-Denis jusqu'à Hôpital de la Fontaine, Grand Max. C'est à peu près ça. Le secteur le plus impacté, c'est gare de Saint-Denis, marché de Saint-Denis. Là, vraiment, on y est. Du vol à rage, du vol violence, du vol en réunion ou du vol tiré. C'est OK pour tout le monde? OK. Eh bien, en piste, c'est parti. Pour se dissimuler parmi les usagers et attraper les délinquants qui opèrent souvent en bande organisée, les policiers de l'UAR travaillent en civil. En parc à noir, Yann est le chef de groupe. Ce matin, avec ses hommes, il a prévu de patrouiller sur une ligne de tramway qui traverse la ville de Saint-Denis, d'est en ouest. De l'autre côté du périphérique parisien, la cité du 9-3 est mondialement connue pour son stade et plus tristement, pour son taux de pauvreté et de criminalité parmi les plus élevés de France. Et les transports en commun ne sont pas épargnés. Ils sont même devenus le terrain de chasse préféré des délinquants. En 2016, plus de 3500 vols et agressions y ont été recensés. Alors, avec ses hommes, Yann est aux aguets. Il faut de la patience, de la curiosité. Parfois, quelque chose qui vous paraît anodin peut en amener sur un vol qui a lieu quelques minutes auparavant. Et justement, le policier vient de repérer une vieille connaissance qu'il a déjà arrêtée. Adossé à la rambarde de cette station, il semble être à l'affût. Un collègue de Yann décide de le contrôler discrètement. Achetez-vous, je descends. Dégage alors. Tu restes ici. Hein? Tu vas retourner en prison, je te le dis. Parce je que fais 4 mois. Oui, mais moi je te remets un an, je m'en fous, moi, je te le dis. Hein. Donc ne reste pas. Je veux pas te voir. Ouais. L'homme n'a rien dans ses poches. Mais Yann et ses hommes sentent qu'ils patrouillent au bon endroit. Et ils ne vont pas tarder à repérer un autre individu suspect. Cet homme au blouson noir avec un logo rouge dans le dos. Discrètement, les policiers décident de le filer. Et leur flair va payer. Sous leurs yeux, l'individu profite de l'heure de pointe et de la promiscuité pour faire le sac d'une voyageuse. Ouais, je t'ai dit. Comment t'as pas touché? Mais aujourd'hui, l'homme a commis une maladresse. Sa victime s'est aperçue de son petit manège et elle n'est pas du genre à se laisser faire. Vous avez touché? Vous avez au gonflé là? Je dis, c'est pas possible. T'as pas hâte? Laisse tomber quoi? Pris la main dans le sac, l'individu préfère s'enfuir. Yann et ses hommes se mettent à ses trousses. Car il n'en est peut-être pas à son premier vol de la journée. Non, suivez-le. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, madame? Ben, il a ouvert mon sac.
Il a ouvert votre sac? Il a ouvert mon sac, mais bon. Il a pris rien. Heureusement pour elle, la mère de famille connaît la tactique des voleurs par cœur. Et elle prend ses précautions. Quand elle utilise les transports en commun à Saint-Denis, c'est avec un sac particulièrement difficile à ouvrir. C'est pour ça qu'on a acheté ce sac. Parce qu'il est temps d'ouvrir là, ou bien ils ouvrent comme ça. On met jusqu'au fond. Parce que moi, je sais le système pour les tramways. Yann et ses hommes ont pris le voleur en filature et ils ne le lâchent pas d'une semelle. Mais pour le moment, impossible de l'interpeller. Les policiers préfèrent agir dans un endroit plus discret pour éviter un attroupement. Il faut savoir se fixer des limites sécuritaires, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Si on ne peut pas interpeller en sécurité, on aura toujours le moyen d'interpeller l'individu plus tard. Et ils vont avoir de la chance. Le voleur présumé vient de s'engouffrer dans un hall d'immeuble avec un autre homme. Une occasion en or pour l'arrêter. Yann donne le signal à ses hommes. C'est pas acceptable, ça, monsieur. Hein? C'est pas acceptable. Tu jettes ta cigarette et tu te mets là. Je vais t'expliquer. Tu baisses le ton. C'est moi. Il n'y a pas de problème. Prise au piège, le voleur présumé à gauche n'oppose pas de résistance. Pour le moment, les policiers n'ont contre lui qu'un témoignage pour tentative de vol. Mais surprise, dans ses poches, ils font une découverte étonnante. Un smartphone à plus de 400 euros. Probablement volé. Problème, l'appareil est à court de batterie. Impossible de l'allumer pour vérifier. Alors l'un des policiers tente de faire parler le suspect. Tu l'as pris ou là, tu viens de le prendre? Non, j'ai pas pris, non, c'est à moi, je suis pas en voleur. Il vient de vous le téléphone? Je l'ai acheté au plus. Non. Bon, si, j'ai acheté au plus. Combien tu l'as acheté? J'ai acheté 80 euros. 80 euros un téléphone? 80 euros? Mmh. Ah ben, je fais des affaires, toi. Tu l'as pas payé cher, hein? Ah ben? Tu l'as pas payé cher. Ah, écoute-moi, écoute bien ce que je vais te dire. Tu sais qu'ici, le vol, c'est un fléau. Nous, on est là tout le temps. Je vais pas te la faire à l'envers. Pour moi, ça, c'est un téléphone volé. La victime, je vais la retrouver. Je sais pas te la faire à l'envers, je t'explique les choses. Donc la victime, moi, je vais la retrouver. À partir de là, si toi, tu mens, je ne vais pas préciser. Je peux pas que tu coopères. Non, d'accord, tu coopères. C'est pas de problème. J'ai rien volé. Dis-nous tout de suite. Non, j'ai rien volé du tout. L'homme campe sur ses positions. Alors, pour le faire craquer, un collègue de Yann tente un dernier coup de pression. Écoute, il y a des caméras dans les tramways. Depuis ce matin, tu essaies de faire des vols. Non, je viens d'arriver. On a le témoignage de femmes. Non. Mais au commissariat, les policiers vont très vite obtenir des réponses à leurs questions. L'homme est déjà fiché pour des vols du même genre. Et alors qu'il est interrogé par un officier de police judiciaire, le téléphone, branché sur secteur, reprend vie et livre enfin ses secrets. En fond d'écran, ce n'est pas la photo du suspect qui apparaît, mais bien celle d'une femme avec son enfant dans ses bras. Je l'ai acheté comme ça. Avec les photos et tout. Tiens, une page. T'as le code? Non. T'achètes un téléphone, il n'y a plus de code. T'allais faire comment? Je suis fait arnaquer. Ah, tu te fais arnaquer. Malgré l'évidence, le suspect continue à nier. Mais les policiers n'ont plus aucun doute. Poursuivi pour vol, l'homme risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Pour Yann, c'est une affaire vite bouclée. En moyenne, le policier effectue une centaine d'arrestations par an dans le tramway. À peine 10% de l'ensemble des vols qui y sont recensés. Le tram, entre la station Gare de Saint-Denis et celle de Lumet 45 à Courneuve, c'est 1500 plaintes pour vol, tir, sur une année. C'est énorme. Oui, c'est gigantesque. Depuis quelques années, la mission des policiers se complique encore. Car en plus des délinquants traditionnels, ils doivent tenir compte de la menace terroriste. C'est devenu une préoccupation majeure. À la gare de Lyon, au sein de la brigade des réseaux ferrés, c'est l'heure de l'appel. Et comme tous les matins, face à la menace terroriste, le mot d'ordre, c'est vigilance.
le brigadier-chef Philippe vient de reprendre son service. Avant de partir en patrouille, il écoute avec attention les consignes de son supérieur. Bon, après, pour finir, je vous rappellerai qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui ne nous aiment pas plus que ça, donc soyez attentifs sur les ondes et réactifs comme vous l'aviez été déjà les précédentes fois. Garde l'eau. À vos services. La vague d'attentats qui frappe la France ces dernières années est dans tous les esprits. Avec plus de 5 millions d'usagers par jour, le métro parisien est particulièrement exposé à cette nouvelle menace. Et les policiers sont en première ligne. C'est vrai que le transport en commun, et le passé nous l'a montré, a souvent été la cible d'actes de terrorisme. Donc oui, la tension est toute particulière dans le métro. C'est quelque chose qu'on redoute. Contre la menace terroriste, les policiers multiplient les contrôles. L'effet se veut dissuasif. Mais le risque d'attentat a engendré un nouveau problème. Des alertes à la bombe de plus en plus nombreuses. Oui, BJR Réseau, Alpha 9 quitte la base et se dirige au secteur. Alors que l'équipe est en patrouille à la station Madeleine, dans le centre de la capitale, un agent de la RATP les interpelle. Bonjour. Ici ? Il est où ? C'est ça ? Sur le quai d'en face, un sac abandonné. Il peut s'agir d'un colis piégé. Alors les policiers doivent au plus vite établir un périmètre de sécurité. Mais la tâche est compliquée, car les deux quais sont desservis par 10 accès. S'il vous plaît, on va fermer la station, merci. C'est le réseau d'Alpha 9. Donc je demande l'interruption du trafic, hein, quant à présent. Le train ne passera pas dans cette station, il y a un colis suspect, vous demandez d'évacuer. C'est un peu la panique. Inconscients du danger, certains usagers pressés oublient la menace. Et ils commencent à exprimer leur mécontentement. Pour les éloigner, bonjour. Philippe n'y va pas par quatre chemins. Non, va là-bas. Non, on a un colis suspect. Remontez. Les gens comprennent. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas toujours gagné. Je voudrais prendre la 12, moi. Pourquoi vous n'annoncez pas en fait ça? Ça avance depuis 3 heures. Bah, ça fait 5 minutes. Non mais c'est bon, là, ça va. Ça fait 5 minutes que je suis à la station, ça fait 5 minutes. Bon, là c'est une sortie, donc normalement. Alors que les policiers pensent avoir bouclé toutes les issues. Mesdames, reculez s'il vous plaît. Surprise. Reculez, on a un colis suspect, vous repartez dans l'autre sens. Allez de l'autre côté, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Et faites gaffe, vous passez devant le bordel là. Vous saviez par où ils arrivaient. Bon, alors, il y en a 4 qui sont arrivés de je sais pas où, tu vois, faut être vigilant négatif, parce que. Il y a toujours des usagers qui arrivent à se faufiler. Monsieur, repartez là-bas, demi-tour. Oh ! Hé ! Fais demi-tour. Évitez de passer devant le bordel, hein. Ouais. C'est incroyable ça, attends. En réalité, deux accès ne sont pas encore bouclés. Philippe redoute le pire. Alors, par mesure de sécurité, il ne quitte plus les quais des yeux. Je regarde si le colis est toujours là, on ne sait jamais. Qu'il n'y ait pas un petit malin qui soit venu le ramasser pendant qu'on surveille les gens, là. Parce que ça arrive de temps en temps. Ça peut être un usager qu'on n'ait pas vu arriver. Et puis, quand on a absolument envie de prendre son métro, et puis d'énervement, ils vont aller vous ramasser le colis suspect. Hein. Ça peut arriver. Là. La situation est enfin sous contrôle. Les policiers doivent maintenant attendre l'arrivée d'une brigade de déminage. Et ils vont devoir être patients. Car au même moment, sur les ondes de leur radio, deux autres colis suspects sont signalés dans la capitale. 05-1980. Et on en a un assez. India, le bravo. Troisième, Roméo, je sais Alpha. Pas. Enfin, ça fait 3 colis suspects en même temps, ça commence à faire beaucoup. 3 en même temps, oui, c'est assez rare. Depuis les attentats du 13 novembre 2015, le nombre d'alertes aux colis piégés a plus que triplé dans le métro parisien. En moyenne, les policiers effectuent 15 interventions comme celle-ci tous les jours. Heureusement, la brigade de déminage ne découvrira pas de bombes. Il s'agira, une fois encore, d'une fausse alerte. Pour autant, pas question de prendre la menace à la légère, car le danger est réel. À quelques stations de métro de là,
à la gare Saint-Lazare, Élie, le policier de la BAC du métro, est toujours en planque. Il surveille deux gros dealers de crack. Ce sont ces deux hommes de l'autre côté des voies. Putain, hey, ils sont costauds les deux. Hein. Hey, faudra péter les deux en même temps. Les deux blacks, là, faudra péter les deux. Élie attend le flagrant délit pour les arrêter. Mais les deux dealers sont très méfiants. Les policiers doivent être extrêmement discrets. Les voleurs, les dealers et les toxicos, ils repèrent les flics. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. On a plutôt intérêt à pas se montrer, à attendre que ce qu'on est en train de chercher se produise et à intervenir juste au dernier moment. Pour observer le trafic sans se faire repérer, Élie a trouvé la planque idéale. Une partie du métro interdite au public. Ça, c'est une petite station désaffectée de la RATP, comme il y en a plein. Il y a plein de galeries, de tunnels qui étaient utilisés avant et qui ne le sont plus. Alors, soit c'est transformé en locaux techniques, soit c'est à laisser un peu à l'abandon, comme c'est le cas ici. Mais potentiellement, pour nous, c'est des bons outils de travail. Sur le quai, habillé en civil, David, le collègue d'Élie, s'est mêlé aux usagers. Il attend le signal pour intervenir. Donc, je te redonne encore les signals, mon David, okay, pour qu'on soit tous bien d'accord. Les deux mecs, 1m85, 90 kilos. Ce matin, la chance va sourire aux policiers. C'est en train de se faire. Attends. C'est bon, il a pris la thune. De loin, Élie pense avoir vu un consommateur acheter une dose. Cet homme, avec ses deux sacs. Écoute-moi bien. Il y a un mec qui sort de la station, d'accord ? Il a des sacs à dos, on dirait un rocker, il a une trentaine d'années. C'est le signal que les collègues d'Élie attendaient. À la sortie du métro, l'individu est appréhendé. Et sur lui, la preuve pour incriminer les deux dealers. Cette dose de crack. Dans les sous-sols, Élie et ses hommes doivent maintenant les interpeller sans tarder. Positif. Ok. Allez, go. Il est parti. Les deux suspects sont postés près d'une sortie, prêts à s'enfuir. Pour ne pas éveiller de soupçons et ne pas créer de mouvement de panique dans la station, Élie et ses collègues s'avancent vers eux, l'air de rien. Au dernier moment, les hommes de la BAC du métro se jettent sur eux. L'effet de surprise est total. Les deux hommes n'ont rien vu venir. Élie craint qu'ils essaient de se débarrasser de leurs marchandises. La plupart des dealers cachent leur crack dans leur bouche. Alors le policier fait pression sur le cou et la mâchoire de l'individu qu'il vient d'attraper. L'interpellation peut paraître violente, mais si le dealer avale une grosse quantité de crack, il peut en mourir. Ouvre ta putain de bouche là, c'est bon. Ouvre. Allez, ouvre. Bouche. C'est bon. L'homme n'a plus rien dans la bouche, mais dans les caniveaux, à l'endroit même où ils l'ont attrapé, les policiers découvrent près de 20 sachets de crack. On a tout. Menottés, les deux dealers présumés sont emmenés au commissariat. Ils vont être placés en garde à vue. Contre eux, les policiers disposent de preuves accablantes. Les deux hommes nient pourtant l'évidence. Tout à l'heure, il nous dit qu'une fois, il attendait le train, ensuite qu'il vendait du café, ensuite qu'il connaît l'individu qui vendait du café à côté de lui pendant qu'il attendait le train. Voilà, donc oui. J'ai l'attente sur les versions encore d'ici à ce qu'on le présente à l'opinion. Au poste, Élie et ses collègues commencent par faire les comptes. En tout, les policiers ont saisi près de 8 grammes de crack. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le butin aurait pu rapporter au dealer plus de 250 euros. Une bonne prise pour les enquêteurs. Un par un, les deux individus vont devoir s'expliquer devant l'officier de police judiciaire. Et ça commence plutôt mal. Les deux suspects sont sans papier. Ils prétendent ne pas comprendre le français et ils donnent aux policiers de fausses identités. Ton père, ta mère, ils parlent quelle langue ? Ton père et ta mère, ils parlaient quelle langue quand t'étais petit ? Ton père, tu parlais... Ta mère, elle parlait quelle langue quand t'étais petit ?
Ils vont donner des identités qui sont un peu farfelues, comme ça, si jamais il a déjà été interpellé par des services de police. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra pas le remonter sur ses antécédents judiciaires. La plupart des dealers du métro ont déjà été arrêtés. En mentant sur leurs identités, ils pensent pouvoir tromper les policiers et éviter ainsi une condamnation plus lourde pour récidive. Un casse-tête pour les enquêteurs. Mais heureusement, ils ont à leur disposition des fichiers d'empreintes et ils finissent généralement par connaître la vérité. Écoute, arrêtez ça. Un étage plus bas, Ellie interroge le deuxième homme et il se retrouve confronté au même problème. Lors de la fouille, les policiers ont retrouvé sur cet individu 300 euros en petite monnaie. Mais le jeune homme connaît bien la musique et il a des arguments pour justifier la présence de cet argent dans ses poches. Je n'ai rien vendu. Comment ça t'as rien vendu? Toute la journée on t'a surveillé, toute la journée on t'a vu. Vendre. D'accord? Tu cachais tout dans ta bouche, toute la journée on t'a vu. Tu as vendu du crack tout l'après-midi, oui toi. Non. Mais tu as fait quoi? Tu as fait quoi cet après-midi? Vas-y, renseigne-moi, ça m'intéresse. Attends, mais mec. C'est quoi ça? Ça, c'est ma zone que j'ai gagné. Ah, parle-en quoi? Ça a l'air intéressant, vas-y dis-moi. Pour le soigner mes yeux, c'est ma zone que j'ai gagné. Ah, pour aller chez l'ophtalmo. C'est la zone que t'as gagné pour aller chez l'ophtalmo, c'est ça? Non, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce que tu faisais? Pour obtenir des aveux, le policier tente de jouer la corde sensible. Est-ce que tu sais ce que t'as fait, ce que tu vends aux gens? Tu sais ce que ça leur fait ou pas? Hein? Les dents qui tombent, quand ils sont pas bas, quand ils sont pas bien parce qu'ils en ont plus. Hein? Qu'après, des fois, ils se piquent. Du coup, vu qu'ils se piquent, ils chopent des merdes, comme l'hépatite, le sida. Rien n'y fait. Jugés en comparution immédiate, les deux individus vont tous les deux être condamnés. 18 mois de prison ferme pour celui qui transportait la drogue et 10 mois avec sursis pour son complice. Encore une affaire résolue pour les équipes de la Blast. Ça fait des bonnes journées. Là, il est 1h du matin. On termine la procédure et le temps de rentrer. Ensuite, on aura fini vers 2h. Ce soir, Ellie et ses collègues quittent le commissariat avec le sentiment d'avoir accompli leur mission. Mais une fois de plus, ironie du sort, pour rentrer chez eux, les policiers vont devoir marcher. Car ils ont loupé le dernier métro.